Acte 2:36. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Amen. Amen. Lorsque vous lisez le discours de Pierre, souvent les chrétiens vous lisez ça vite. Et moi, l'Esprit de Dieu m'a conduit à dire ça doucement. Parce que ce que Pierre est en train de dire, il dit des choses très sérieuses. Et à la fin de son discours, écoutez ce qu'il dit. Il dit que toute la maison d'Israël sache. Que Jésus est Seigneur, qu'il est le Christ. C'est pas ce que Pierre est en train de dire. Pierre nous donne un élément important. Il dit que toute la maison d'Israël sache. Mais comment? Pas seulement savoir, pas seulement connaître, mais vous devez savoir, mais avec certitude, c'est-à-dire avec conviction, avec assurance que Jésus est le Seigneur, que Jésus est le Christ. Donc les choses qui le concernent, c'est avec certitude. Ce n'est pas juste de savoir. C'est savoir, mais avec. Parce qu'aujourd'hui, on sait les choses. Mais est-ce que les choses que tu sais le concernant, est-ce que c'est avec? Parce qu'on connaît. On a dit Jésus. Oh, mais Jésus, je connais. On va nous parler du Christ. Mais je connais, ils vont t'apprendre moi. Mais est-ce que ce que tu connais là, c'est avec? Amen. Avec certitude. C'est ce petit mot-là. Certitude. Qui fait toute la différence. Il y a même les amis qui se lient. Ce petit mot, la certitude. Et il dit, c'est ce que nous devons avoir. Nous devons le connaître. Pas juste parce que l'on compte. Mais nous devons le connaître. Avec la certitude. Et tinga. Conviction. La posa. Assurance. Et les gars. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il m'a dit, le Seigneur. Il m'a dit qu'aujourd'hui. L'église aujourd'hui c'est une église de slogan. On est contre les campagnes publicitaires. On est dans des spots. Et nous avons des chrétiens qui répètent. Sans comprendre ce qu'ils disent. Je reviens une convention après moi. Et j'animais un atelier. Et l'atelier que j'animais, c'était marcher en nouveauté de vie. Et j'ai expliqué un peu la nouvelle marche en Christ sur le tabernacle. Et je leur ai parlé de certains principes. Les écritures que l'Église aujourd'hui aime bien citer. C'est la tête. La cause à la tête. Et non à la queue. Et non par un seul chemin. Encore.
et fuiront par cette chemin. Ah, c'est pas pour qu'un bar à la terrasse. Et bien même le lieu à ton départ. Pour le copain pour la boquée inayo. Ainsi que ton arrivée. Et la copain pour la boquée inayo. Je leur ai dit. Non, là, ici, Marco. Cette parole-là. Il est bon. C'est pas pour tout le monde. Et ça parole va donner en santé. Amen. Parce que cette parole-là de vous contester, je leur ai dit que c'est un résultat. Oui, et il est bon. Il est bon. Et ça, il tombe pas encore. C'est la conséquence. Parce que quand vous lisez le texte au verset premier de Deutéronome 28, lui-même il dit si. Il dit si vous obéissez à la voix de l'Éternel votre Dieu. Et si vous gardez ce commandement, en les mettant en pratique, et cette parole elle est pour toi. Mais si tu marches sur la désobéissance, tu ne te mets pas dans la parole de Dieu, tu vas confesser cette parole et elle ne s'accomplira pas pour toi. Elle est pour ceux qui obéissent. Si tu penses que tu es obéi à Dieu, alors confesse avec assurance ta parole. Et si toi-même tu sais que ta vie n'est pas en règle avec Dieu, mais que tu en as fait un sourd, je vous dis la vérité, Dieu est toujours du côté de sa parole. Dieu est toujours du côté de sa parole.